Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Nayo qui est là avec une vidéo. Bon, la team. Aujourd'hui, c'est une vidéo. Et voilà, passer un petit jeûne ensemble avec moi. Hier soir, je passé en nuit presque pas dormi. J'espère que la journée en passé une bonne journée. Du coup. J'espère que je vais prendre plus de temps pour filmer mes vidéos pour moi. Voilà, je vais aller sous douche pour me faire un petit bain, laver les cheveux, mes tout. Voilà, je vais mettre les ébouillis pour me faire manger. Et tout parce que la vie va vraiment tout. Pour me faire un petit déjeuner. Avec le chocolat. Il est temps de chauffer. Il est temps de mettre le chocolat dans le four et tout. C'est déjà bon. Je vais prendre un peu de temps pour petit déjeuner. Ça. On va mettre un peu tout. Voilà mon visage. Bon, voilà mon visage. Bon. J'ai l'impression que. Je commence vraiment à mon visage. Je commence à voir. M'a passé à faire et comment on dirait un peu sur mon visage, mais pour que laver parce que depuis que je fais le visage, je fais pas son bagage là-dedans parce que il est blanche parce que moi je suis sèche. Le bagage pour sèche, ça va finir ensemble avec moi. C'est pour ça que je me lève le matin. Pour autant pour m'enjoyer le visage, moi avant de me laver, c'est trop cool. Peut-être des ébouillis parce que je ne sais pas comment je vais manger. C'est. Comme des cadres, c'est des œufs poules. C'est vraiment gros et tout. Ouais. C'est pas. C'est comme des œufs poules. Et tout. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ouais. C'est des. Pour les pousser. Les épaules ont levé, il n'y a pas fait mal de tout, il y a des cabagas et tout. Mais c'est vraiment gros et puis c'est pire coup. Je vais comprendre ça maintenant. Ça, c'est le chocolat et tout. Bon, moi, je vais dire que ça fait mal avec les cheveux et tout. Je ne vais pas faire les cheveux. Bon, c'est. Ça m'aimait si tu veux. Par rapport à la jambe sortie, si. Je vais aller à l'hôpital, je me reconnais. Je pense que ça va être un bébé, je connais. Plutôt de me salle plutôt parce que l'enflée, ma ça me sécher, me coucou la team, on va fini. Là, je vais aller pour moi manger et tout. Ça me va aller pour moi manger. Je connais si on continue les vidéos, ça pour me soit donner si tu veux. Ou bien après-midi, je me reconnais. Et. Je ne pas de qu'elle nous préserve. Je suis que ma poule soit de la situation tout à l'heure. Coucou la team, la. La nouvelle. Parce que. Tirer les gynécologues, moi et tout. Parce que actuellement, il est en vacances, il devait m'aller pour m'allouer en l'autre monde qui remplace celle-là et tout. Et, durant la journée et tout, si ça continue et que moi nous pas qu'à contrôler et tout. Là, je vais aller en remplacer là parce qu'en ce moment, il y a un voyage. On y va. Il est pas bien garé. Et là, dans nos villages, qui est là, il y a besoin de tout. Je ne peux pas jouer, on est obligé de passer les frontières là. Je vais aller ensemble avec.
bagage qui dit pour m'acheter ma jeune mère Belgique. Là, moi, obligé d'entrer en France pour me décaler et trouver ça à me dire parce que je connais en France qui est en pile, en pile, en pile noir. C'est obligé, ma jeune. Mais là, je suis allée dans le magasin, je vais jouer dans l'autre magasin. Je ne sais pas si j'ai des problèmes depuis. Je ne sais pas si j'ai pris des bagages médecins. Je ne sais pas si j'ai pris des bagages naturels. Je ne sais pas si j'ai pris des médecins et tout. De toute façon, si ça continue, je vais être obligée d'aller directement soit à côté de ma suivre là ou bien parce que côté de ma suivre là n'est pas dans la même ville côté moderne côté ma suivre là vraiment plus loin si ça par exemple durant la journée avant la nuit si ça continue comme ça m'a obligé de pouvoir aller dans l'hôpital qui est plus proche de moi. C'est compliqué. Presque tout lui fermé. Des manifestations de côté en France. Du coup, bébé, ça va? Ouais, ça va, ça va. J'ai beaucoup de choses en tête. Voilà, Tim, tout le bagage, il est besoin de acheter tout. Tout le bagage, il dit, va acheter tout. Et il y a tout fait deux. Pour notre bagage, beaucoup qu'à trouver. Là, je dis nous peut-être nous qu'à trouver dans notre magasin. Tout le magasin n'est pas ouvert parce qu'il y a une manifestation. La team, matin et tout pour nous sortir, regarde qui j'ai un bébé, mettez-moi. De temps en temps, ma petite bébé garde derrière pour nous si derrière a bien rangé. Parce que nous devons les poteaux en jeep. Je vais faire un peu de temps. Aller dans un pays soi-disant entre guillemets qui a pied bois à l'âge à tomber là-dedans, commencer de tromper ou de piquer. C'est pas vrai. Il y a plein de monde sur les réseaux sociaux qui ont inventé une vie. Ils ont fait connaître que nous avons bien vivre, nous avons vivre dans le luxe, nous allons dans l'hôtel de luxe, nous allons faire ci, nous allons faire date. Et bah, je mets ton vêtement deux fois. Mais derrière tout ça, gagner pas qu'à manger, gagner à vivre, en colocation. Gagner tout le bagage ça derrière ça. Il y a plein de monde qui ont inventé une vie pour eux-mêmes. Ils ont fort rêvé et tout. Commencer à détromper nous si on connaît bien le monde mais moi-même tout dès qu'on fait des idées on dit comme ça oui mais le, si un jour t'as parti t'arrives dans un pays étranger m'a fait ci m'a fait ça non non c'est pour ça qu'on y a même commencé à apprendre des bagailles parce que le seul bagaille qui a sauvé l'arrivée dans l'autre pays c'est ça. Si vous n'apprenez pas rien, ou pas faire rien, même l'arrivée, vous avez venu 10 000 fois plus mal que l'autre est dans votre pays. Raison, parce que là, vous avez payé tous les mois. Vous avez payé tous les mois. Au début, il y a vraiment du pour vous que vous n'avez pas trouvé pour louer une maison, parce que pour louer une maison, c'est vraiment cher. Pour louer une maison, et là, pour caler une maison, chaque fois, il faut commencer à payer pour ma chine. Depuis qu'on y a, comment c'est passé? Comment c'est à prendre un bagage? Un bagage, ça, si un jour, ou t'as
opportunité pour te quitter dans le pays où il y a, pas mettre dans la tête où, ouais, on va aller dans tel pays pour me calmer et vivre. On va aller dans tel pays, non. C'est pas vrai du tout. Ou qu'arriver dans le pays ça pour bien vivre, c'est seulement sous gain un bon plan. C'est ça. Même si tu n'es pas de côté, il a commencé à mettre ça dans la tête. Plan gain pour venir là, est-ce qu'on va suivre étape par étape? Est-ce que parce qu'on a un moulin, on a une blouse, on a gain tout? Parce qu'on a un moulin, on a mis des vêtements de marque, on vit pour l'argent gain, on a mis des vêtements de marque. Et tandis que on peut capoter des vêtements de marque, pays étranger, ou gang ou gang ou pour contre. Tout ça, tout problème ou gain pour contre. Parce que. Même si maintenant dans n'importe quelle situation, soit pas qu'à manger, pas qu'à dormir, pas qu'à acheter un vrai bagaille pour porter et tout, c'est en étape liée. Et grand pile monde qui pas parlé, j'ai des bagailles ça haut parce que c'est des sujets qui vraiment sensibles, mais c'est vraiment important. Je connais ça qui relè souffrir, je connais ça qui relè en pile de bagaille. Il y a en pile monde et juste parce que yo changé pays et tout, yo tant que yo oublié identité. Pour qu'ils soient ici, j'étais origine. Il y a pas plus d'Haïtiens qui font ça. On a beaucoup qui quittent leur pays et rejettent. Donc c'est des gens qui ont oublié l'identité, qui ont oublié si ils étaient haïtiens et tout. Tant coup, ouais. Pas camarade, moi. Pas si, ou pas d'âge. Bon, la team, là, t'es grand pile la pli qui a tombé. Là nous est arrivé non comment ça dit l'hôpital là. Moi j'ai décidé que moi pour aller à l'hôpital parce que bah connais si on pas garder mes tout n'a pas ce soir bah je vais aller à l'hôpital me sentir mon petit Jean-Pierre. Mais j'ai pas de choix. Coucou la team. Là, c'est qu'on est pas rentré. Il est temps 21, bref, 21 là. C'est qu'on est pas rentré. Moi, depuis que 4 heures dans l'hôpital là. Non, moi, je vais en haut. Je vais expliquer nous. Que la team, qui ça qui passait? Et après consultation avec gynécologue et tout, après yo m'intéressé l'hôpital là pour te suivre moi. Ouais. Du coup, et là ça va venir, je ne t'ai pas venir encore, ça a commencé à venir. Petit. M'attends et quelques semaines passées pour me reprendre moi et puis après ça pour me faire ça. Et voyez pour moi pour le dire pour me faire. Bon, du coup c'est ça. Ça s'est bien passé et je suis un monde qui vraiment pas aimé toute bagarre qui a rapport ensemble avec l'hôpital. Surtout à cause de maladie et tout, aucun monde ne peut arrêter de côté, je suis supposé là pour côté moi. En fait, pas de rien qui est grave. Pour que ça me déraille et tout, parce que j'étais vraiment un pépère. Et parce que ça a venu plusieurs fois et tout. Et parce que l'autre là te dit, le gynécologue te dit, tout le bagage en forme, mais non. Et je me dis peut-être que le bagage
quel patron, peut-être un bagage qui arrivait, un bagage qui était passé, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Je me suis dit que je suis allé dans une et tout, je me suis regardé pour voir qui ça qui est. Et là, l'autre a dit que ça, bah il n'y a rien, peut-être c'est comme qui a changé, nan, nan, nan. En plus, le bagage, bref, du coup, je me suis dit que tout le temps, pour qu'il y ait moins de gars, ça dit bisous.